Hop. Et voilà, nous voilà en ligne. Voir un peu si tout fonctionne bien ici. Hop. Est-ce que la diffusion se fait sur Twitch en problème aucun? Parfait. Donc tout allait en ordre pour cette reprise. Hop. De nos streams linguistiques slash jeux vidéo pour sa deuxième saison. Du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça des saisons. Ça me semble être peut-être la chose la plus logique à faire. J'ai vu que un certain nombre de personnes avaient rejoint la chaîne, s'étaient abonnés, peut-être qui m'observaient en direct. Donc bonsoir, bienvenue. Donc pour les nouveaux venus qui sont là pour la première fois peut-être, je vais faire toutes les semaines, du moment que ça ne heurte pas mon planning à côté de ça, des streams tous les mercredis soirs. Alors cette année-ci, ce sera pas le jeudi comme l'année dernière, comme je le faisais l'année dernière, mais plutôt le mercredi de 20h à 22h à peu près. J'ai décalé le soir de stream pour des raisons voilà diverses, et donc ces streams sont composés de deux volets. Il y a une première partie à 20h qui est consacrée plutôt à de l'analyse de linguistique française, c'est-à-dire lecture et commentaires d'articles ou de parties d'ouvrages de linguistique plus ou moins récents, même si j'essaye toujours de lire des choses récentes pour être au plus proche de l'actualité scientifique. Et la deuxième partie, c'est travail slash jeu sur un jeu vidéo en particulier, qui permet de prolonger dans le domaine vidéoludique des réflexions émanant de l'analyse de la langue, et notamment de la langue française. Pourquoi lier les deux? Ben, tout simplement parce que je fais les deux professionnellement, c'est-à-dire que je suis chercheur en linguistique française, c'est mon travail premier, mais également, je suis grammairien slash chercheur en jeux vidéo, donc j'essaye d'associer transdisciplinairement ces deux aspects. Et donc, le thème de la semaine est celui de la variation, avec, en première partie, une lecture d'un article paru il y a 2 ans de ça, lors du Congrès mondial de linguistique française de 2020, qui a été donc une édition particulière de ce congrès, comme on s'en doute, puisqu'il n'a pas pu se tenir physiquement, mais évidemment à distance à cause du Covid. Donc le CMLF, le congrès, c'est un grand événement de la discipline qui a commencé en... Ça a commencé quand d'ailleurs au début des années 2000. Il y en a eu tous les 2 ans à partir de là. Et nous en sommes là au début juillet. C'était la 8e édition du congrès. Alors tous les 2 ans, généralement c'est entre fin juin et début juillet, il y a un énorme rassemblement de tous les linguistes qui travaillent sur la langue française sous tous ses aspects, que ce soit la langue française contemporaine, historique, la syntaxe, la morphologie, la sociolinguistique, l'analyse du discours, etc. La particularité du congrès, comparé à d'autres séminaires ou journées d'études ou colloques, etc., que l'on peut faire en recherche, c'est que les organisateurs du congrès demandent à ce que l'on envoie avant, plusieurs mois avant la tenue du congrès, l'article terminé
notre article terminé, les actes du colloque terminés, généralement vers le mois de décembre, pour le colloque qui se tient donc en juin ou en juillet. Et donc, ça assure en fait la pertinence scientifique des contributions, puisque du coup, ces contributions vont être expertisées en double aveugle, comme ça se fait dans le domaine scientifique, par les pairs avant autorisation de participation au colloque. Donc j'ai eu la chance, donc j'y ai participé avec un collègue en 2020 à distance. On avait soumis un papier qui a été accepté, et donc là j'y suis retourné cette fois-ci seul début juillet dernier. Ça se tenait à Orléans. À chaque fois ça se place dans une ville différente, et c'était vraiment extraordinaire. Enfin, c'était genre Disneyland pour les linguistes, quoi. C'était vraiment génial. J'ai pu rencontrer plein de collègues différents qui travaillaient sur plein de choses différentes. On a bien mangé, on a eu. j'ai eu des. Voilà, des compliments sur mon travail, des questions et tout. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un événement extraordinaire. Hop, je réponds à un message à côté. Alors, du coup, pour cette reprise, j'avais fait un petit sondage sur Twitter après. Voilà, avec différents choix. Et puis finalement, c'est ce thème-là qui a abouti à la question de la variation, qui est un domaine moi, qui m'intéresse directement en tant qu'historien de la langue, puisque la variation temporelle de la langue française, la diachronie, est mon champ d'investigation premier. Mais cette fois-ci, je vais proposer une lecture et un commentaire d'un autre type de variation, ce que l'on appelle la variation diastratique, c'est-à-dire la variation selon le milieu social, hein, ce qu'on appelle la diastratie, hein, avec cette idée de strate, de couche, hein, de couche sociale, fait partie des grands phénomènes de variation analysés par la linguistique contemporaine. Donc parmi les grands outils de variation qui sont étudiés, donc la variation diachronique dans le temps, variation diatopique dans l'espace, variation diastrotique en fonction du milieu social, et au fur et à mesure, on rajoute des éléments de variation qui peuvent exister, comme la variation diagénique entre les hommes et les femmes, la variation de registre, la variation. Voilà. Tous les paramètres objectivals peuvent, du coup, permettre de passer au crible la pratique linguistique des locuteurs et des locutrices. Et donc, ici, plus spécifiquement, la variation diastratique, donc, du français au grand-duché du Luxembourg. Donc c'est un article de Nicolas Lefrançois, donc qui a été publié en 2020 lors des actes du 6e Congrès mondial de linguistique française. L'article est disponible gratuitement en ligne, donc à l'adresse qui a été donnée sur Twitter dans la description du stream de cette semaine, et je le mettrai également sur YouTube. Ça aussi, je verse sur ma chaîne YouTube, les streams au fur et à mesure que je mets. Et donc dans la description, vous avez tous les détails. Merci pour le following. Vous avez donc tous les détails de la publication. Et vous pouvez revenir du coup aux vidéos si vous le désirez. Donc, commençons. Donc, je vais lire l'introduction in extenso puisqu'elle est très bien faite. Et ensuite, je parcourrai l'article à saut et à gambade, comme disait Montaigne. N'hésitez pas à vous servir du chat pour poser des questions, faire des remarques, voilà, si des choses vous semblent peu claires ou si vous désirez revenir sur des aspects sur lesquels je serais allé un peu trop vite. Et si vous entendez, je ne sais pas si on l'entend un peu, un petit vrombissement, c'est qu'il y a mon ventilateur derrière. Ce qui fait encore un peu chaud, je vis sous les combles, sous les toits, et donc le soir venu, toute la chaleur qui est tombée sur le toit rentre dans l'appartement, et donc il fait un peu plus froid, un peu plus chaud du coup le soir venu. Donc, allons-y. Dans la triglossie luxembourgeoise, allemand-français-luxembourgeois, le français tient une place particulière puisque tant son
statut que son expansion ont varié au cours de l'histoire récente du petit état lorrain. Langue littéraire de l'élite à l'époque de l'accession à l'indépendance en 1831, mais sans implantation dans la population autochtone, le français connaît un pic de diffusion sociale avec la première vague de migrants italiens de la fin du XIXe siècle. Confiné cependant à cette seule frange marginale de la population, il conserve sa valeur de variété de prestige auprès des natifs qui se considèrent avant tout comme des germanophones. L'essor économique du Luxembourg durant la deuxième moitié du XXe siècle suscite un besoin conséquent de main-d'œuvre qui se recrute en particulier auprès des pays francophones voisins, la Belgique et la France. Cette croissance relance également l'immigration économique romanophone, principalement en provenance du Portugal. Donc romanophone, tout ce qui concerne la langue romane, les langues romanes, donc c'est-à-dire les langues issues du latin, de la Romania, de l'ancien empire latin. Donc français, portugais, espagnol, italien, roumain, occitan, etc. Toutes les langues que l'on connaît en Europe de l'Ouest généralement. Le français se diffuse alors plus largement dans les zones économiquement actives du Luxembourg, le centre et le sud principalement, au point de devenir une véritable lingua franca intercommunautaire et la première langue d'intégration des étrangers. Là aussi, un point peut-être une expression que vous connaissez peut-être, mais je préfère préciser, donc le terme de lingua franca, de stricto sensu, la langue libre, la langue franche, est un concept en fait que l'on désigne aussi par le terme de langue véhiculaire, en opposition à la langue vernaculaire. Une langue vernaculaire du vernaculus, c'est la langue d'une population donnée. Une lingua franca, c'est une langue qui sert d'outil linguistique de communication entre plusieurs communautés qui n'ont pas les mêmes langues vernaculaires. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, ça peut être l'anglais, par exemple. On voyage dans un pays, on parle anglais pour se faire comprendre, même fugacement. Dans d'autres pays, ça sera plutôt l'espagnol, ou comme ici, le français. Hein. Moi, j'ai des expériences, par exemple, il y a plusieurs années de ça, déjà plus de 10 ans, nous ne rajeunissons pas. J'avais fait un voyage en Russie, à Saint-Pétersbourg, et autant je n'arrivais pas à me faire comprendre en parlant anglais, autant quand je parlais français, les Russes avaient beaucoup plus de facilité à comprendre, puisque le français était considéré comme une langue voilà, plus franche, plus lingua franca que l'anglais. Voilà. Et le français a été une lingua franca mondiale pendant énormément de temps, au même titre que le latin. Hein. Ça a été une langue de science, une langue de philosophie, pendant jusqu'au début du XXe siècle encore, avant que l'anglais finisse par prendre le dessus. Toutefois, cette démocratisation du français s'accompagne d'une dévalorisation pour les luxembourgeois, au point de remettre en cause son statut de langue officielle du Grand-Duché. Ah ah. La présente communication situe diachroniquement la sociolinguistique luxembourgeoise, donc diachroniquement, historiquement, en fonction de son histoire récente et de sa démographie particulière. En s'appuyant sur l'architecture de langue développée par Leif Leidal et Eugenio Cosseriu, le statut du français au Luxembourg est ensuite analysé à travers ses variations diastratiques, fruit de l'histoire économique et migratoire du pays. L'étude est étayée par les témoignages de luxembourgeois ou de résidents de longue date au Luxembourg faisant part de leur propre représentation et de leur appropriation du français. Ces témoignages ont été collectés en 2015 et 2017 à l'occasion de la rédaction d'un mémoire de recherche et d'une thèse de doctorat. Donc, article assez classique, on va dire, que j'ai fait moi-même, du jeune chercheur qui, avant de publier, de soutenir sa thèse, ou bien juste après l'avoir publié, utilise les données de son corpus, de son étude, pour faire des articles de diffusion scientifique. Donc ça permet de se faire connaître, le travail est déjà fait, en quelque sorte, et ça permet du coup de tenir la distance avant la soutenance. Donc tous les chercheurs, toutes les chercheuses font ça, c'est normal. Donc première partie, diglosserie en diachronie. J'aime énormément ces articles de diastratie parce que généralement il y a une composante d'histoire et
d'histoire des populations que je trouve toujours très fascinante, la façon dont les couches sociales se construisent, les mouvements de population, les phénomènes d'immigration, etc. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent d'autant plus en tant qu'historien de la langue, parce que je suis évidemment obligé de tenir compte de ça pour comprendre comment l'histoire de la langue française a évolué dans le temps. Donc, par une révolution populaire en 1830, la Belgique et le Luxembourg se séparent du royaume des Provinces-Unies des Pays-Bas pour former deux États indépendants. Ça, c'est encore un coup des pêches au thon, ça. Suite à une conférence qui se tient à Londres en 1831, le redécoupage territorial, devant définir les frontières communes des deux États, ampute en 1839 le Luxembourg de sa région ouest, francophone, au profit de la Belgique. Le Luxembourg devient dès lors un pays uniquement germanophone. L'historien du Luxembourg Gilbert Troche, cité par Berg et Weiss, affirme que depuis 1839, il n'y a plus de luxembourgeois ayant le français comme langue maternelle. Mais le français ne disparaît pas totalement du pays. Il s'y maintient en tant que langue administrative et institutionnelle par l'arrêté royal du 22 février 1834, qui dispose que les deux langues officielles du Grand-Duché sont le français et l'allemand. Ça, c'est plus ou moins une situation de fait que l'on a dans énormément d'anciennes colonies françaises, notamment en Afrique, où le français est toujours considéré comme langue officielle, voire administrative, langue universitaire, mais la langue quotidienne est une langue issue plutôt de cette zone géographique-là, une langue bantoue par exemple, ou un autre type de langue spécifique. C'est vraiment ce que l'on appelle une situation de diglossie à proprement parler, stricto sensu, et non pas de bilinguisme, c'est-à-dire que il y a une répartition sociale dans l'emploi des différentes de deux langues, ou plus. Le bilinguisme suppose que les deux langues sont employées dans toutes les situations de la vie, sans hiérarchie. C'est le cas du français et de l'anglais, par exemple, au Québec. Vous pouvez parler français comme anglais autant pour aller faire vos courses qu'à l'hôpital, qu'avec l'administration ou à l'école, même s'il y a des écoles plutôt francophones et d'autres plutôt anglophones. Théoriquement, voilà, l'État doit donner la possibilité à tous ses citoyens et citoyennes de suivre une éducation dans les deux langues. Alors que quand on est dans une situation de diglossie, vous avez une langue qui est spécialisée dans un certain usage de la vie quotidienne et une autre plutôt dans un usage familial, intime, populaire. Donc c'est ce que l'on a comme je disais, dans un certain nombre de pays d'Afrique où le français va être utilisé à l'université, dans l'administration, au niveau politique, mais dans le cadre de la petite école ou de la famille, c'est une autre langue qu'on va parler. Le français doit sa présence légale à la volonté de la haute bourgeoisie locale, héritière des idées révolutionnaires importées dans le pays lors de l'invasion des troupes napoléoniennes en 1795. Napoléon y a imposé un code pénal, un code de commerce et un code de civil rédigé en français qui satisfont les ambitions émancipatrices des élites locales face au pouvoir du roi des Pays-Bas, grand-duc du Luxembourg. Par ailleurs, le français appartient à l'histoire de ce petit pays aux confins de l'Empire romain germanique et du Royaume de France. Outre une partie de la Wallonie francophone cédée en 1839 à la Belgique, le Luxembourg a vu ses frontières s'étendre sur une frange de la Lorraine et des Ardennes françaises jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et le français était alors langue de la chancellerie et de la cour. Il n'est donc pas une variété importée ou imposée, mais un parler endémique pour une partie de la population. Enfin, jusqu'à la Première Guerre mondiale, une petite frange des couches supérieures de la bourgeoisie utilise dans ses foyers le français. Cette même bourgeoisie a maintenu l'usage du français comme langue de l'administration et de la culture à côté de l'allemand, sans pour autant accorder la préséance à cette dernière, malgré son importance et sa diffusion locale, par défiance vis-à-vis du puissant voisin prussien. Alors, ces questions de langue de culture, langue d'élite, ça se retrouve donc tant au nord entre le français et l'allemand qu'au sud entre le français et l'italien. Pendant plusieurs siècles en Europe, l'italien était une très puissante langue de culture en Europe, notamment parce que l'italien peut se réclamer directement de la latinité, hein, et la Renaissance, le Quattrocento, a commencé en Italie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des politiques très agressives de mécénat en France,
hein, avec François Ier, avec Henri IV notamment, pour financer des peintres, des sculpteurs, des auteurs, etc., pour gagner la guerre culturelle qu'il y avait en Europe. Cette même bourgeoisie a maintenu l'usage du français comme langue de l'administration et de la culture à côté de l'allemand, sans pour autant accorder la préséance à cette dernière, malgré son importance. À sa naissance, le Luxembourg éclot donc dans une configuration officiellement bilingue, français-allemand. Mais l'allemand se divise en deux variétés, une variété littéraire et scripturaire, donc qui appartient à l'écrit, le haut-allemand, Hochdeutsch, vous excuserez mon accent allemand, ça fait plusieurs années que je n'en ai pas fait, et une variété régionale vernaculaire, donc de la population, l'allemand luxembourgeois, Letzburgerdeutsch, ancêtre du futur luxembourgeois officialisé en 1984. Donc c'est assez récent, hein, l'établissement institutionnel du luxembourgeois comme langue à part entière en Europe. 1984, je pensais que ça aurait été beaucoup plus vieux. En 1839, le Luxembourg est un pays pauvre et rural, qui voit sa population fuir à l'étranger, et principalement vers la France et les États-Unis. Mais la fin du 19e bouleverse l'économie et la démographie du pays. Des gisements ferrugineux sont découverts dans le sud, qui intensifient son activité industrielle et génèrent une demande accrue de main-d'œuvre trop rare au Luxembourg. On recourt à une abondante immigration, d'abord allemande puis italienne, pour faire face aux besoins importants. Cet élan sidérurgique provoque un mouvement migratoire suffisamment important pour que le pays compte 12,3% de ressortissants étrangers en 1900, composé de quarts d'Italiens, de Français de 6,5%, de Belges francophones pour 13,4%. Le français se répand alors dans le bassin minier du sud du pays. C'est comme une contagion. Ça va encore faire plaisir aux Belges, ça. Les Italiens s'en emparent par proximité avec leur langue. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que du coup, comme ce sont des langues romanes, il est facile pour un Français et un Italien d'essayer de communiquer. Ou du moins, c'est beaucoup plus facile qu'avec du français et de l'allemand, par exemple. Il y a beaucoup plus de racines communes au niveau lexical. La syntaxe est un peu plus proche. Donc, ça se justifie. Ils peuvent ainsi communiquer avec les Français et les Belges. Le français reste cantonné aux échanges entre ouvriers, au commerce de village, et il est surtout localisé à la seule région des mines, à la frontière actuelle avec la France et la Belgique. À la même époque, une revendication monte au sein de la population autochtone pour une reconnaissance de la variété allemande locale, le luxembourgeois. D'abord timide et circonscrite à quelques cercles, elle reprend de la vigueur après la Première Guerre mondiale, suite à l'annexion et la germination du pays par la Prusse. L'idée d'un peuple qui n'est pas seulement bilingue allemand-français, mais trilingue luxembourgeois-allemand-français commence à germer dans le cœur de la population. L'affirmation se fera publiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la population luxembourgeoise en son ensemble, intégrée de force au Troisième Reich, refusera de reconnaître l'allemand comme langue maternelle, préférant revendiquer le luxembourgeois. Dans l'immédiate après-guerre, et bien que le législateur s'abstienne d'entériner cette triglossie dans la réforme de 1948, le luxembourgeois est désormais présent de facto. Sa reconnaissance de jure, c'est-à-dire par la loi, se réalise le 24 février 1984 sur le régime des langues qui dispose en son article 1er que le luxembourgeois est la langue nationale des luxembourgeois. L'article 2 rappelle que le français est langue législative et réglementaire. L'article 3 garantit l'usage du langue sur du luxembourgeois, du français et de l'allemand en matière administrative et judiciaire. Autrement dit, si le français n'a pas perdu sa position de prestige dans la législation, le luxembourgeois acquiert une existence légale, voire patrimoniale. Ça, c'est typiquement au niveau diastratique, au niveau social, ce que l'on considère être la différence, par exemple, entre une langue et un dialecte. C'est-à-dire que une expression que l'on entend assez et on a du mal à savoir d'où elle vient exactement, c'est de dire qu'une langue, c'est un dialecte avec une armée. C'est un terme que l'on dit assez souvent en sciences du langage. L'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence majeure entre des termes comme langue, dialecte, parler, patois, etc. Bon. Ce sont des termes qui désignent plus ou moins la même chose et il n'y a pas de différence objective
entre ce que l'on pourrait appeler une langue et ce qu'on pourrait appeler un dialecte. Il y a une langue, il y a des langues, leur variété, et puis ensuite vous avez d'autres langues et d'autres variétés par la suite. Bon, mais il y a une continuité de fait entre tous ces éléments-là. Et l'un des éléments qui fait qu'une langue est considérée comme telle, notamment par les scientifiques, mais également par la population qui la pratique elle-même, c'est l'idée que cette langue se dote d'un outillage social, juridique et scientifique qui en assure sa légitimité. Donc ça passe par des reconnaissances officielles dans la loi, dans des décrets, dans des constitutions, dans des cérémonies. Et puis ça peut passer également par des outils métalinguistiques comme des grammaires, par exemple. Quand des scientifiques, des grammairiens proposent des grammaires de certaines langues, ça a soit une légitimité qui ouvre la porte ensuite à de l'apprentissage dans des écoles, par exemple, dans des collèges, dans des lycées, et c'est un vecteur d'identification et de revendication. Hein, c'est quelque chose ensuite qui va pouvoir être défendu par des populations pour demander des représentations dans des parlements, dans des chambres, dans des comités, ce type de choses. Donc la langue est vraiment quelque chose d'important et cette reconnaissance officielle, c'est pas juste un bout de papier, quoi, ça a vraiment une dimension au-delà du symbolique. Ça a vraiment quelque chose de concret sur la vie linguistique de ces différentes langues. De fait, la loi de 84 se présente comme une mesure conservatoire de sauvegarde pour la variété indigène, perçue comme menacée de disparition. En effet, le Grand-Duché connaît depuis le milieu des années 60 une croissance économique vigoureuse qui provoque un nouveau besoin de main-d'œuvre étrangère. Le développement économique est soutenu par deux types de travailleurs étrangers. Les très qualifiés qui travaillent pour le secteur bancaire et financier ou les institutions européennes installées dans le pays, les étrangers peu qualifiés d'autre part, majoritairement portugais, employés dans le secteur de la construction et des infrastructures. Ça, c'est un peu le cas partout, hein, c'est-à-dire qu'on a ou bien besoin d'emplois très qualifiés, de docteurs, d'ingénieurs, de bac plus 10, etc., ou bien d'ouvriers peu qualifiés ou du moins sans diplôme parce que il faut malgré tout une certaine maîtrise hein, de son outil pour pouvoir travailler dans la construction, mais voilà, où il n'y a pas de ce qu'on appelle d'études supérieures, et toute la galaxie des Master 2, des Master 1, on n'en a pas besoin. C'est du travail qui n'existe plus, qui a été automatisé, qui a été délocalisé ailleurs, et donc il y a un gouffre voilà qui explique. Notamment bon, les taux de chômage assez forts que l'on a aujourd'hui par rapport à ce que l'on avait après les guerres mondiales, par exemple. Cette abondante main-d'œuvre lusophone, donc lusophone qui parle portugais, si vous ignoriez quel était l'adjectif associé, en constante progression, 8% en 81, 16% de la population totale en 2018, adopte le français comme langue d'intégration, renforçant ainsi sa fréquence dans le pays. Cette recrudescence du français parlé à partir de 1970 attire à son tour les populations frontalières françaises et belges, motivées par le niveau élevé de rémunération. Et cette présence frontalière vient renforcer la diffusion du français à un point tel qu'il devient la langue que le plus grand nombre de gens parlent et comprennent au Luxembourg. Le français assume, à la fin du XXe siècle, la position de première langue d'intégration au Grand-Duché dans un pays qui compte 48% de résidents étrangers au 31 décembre 2017. Selon une enquête menée en 2008 par le sociolinguiste luxembourgeois Ferdinand Fellen, le français est la langue la mieux parlée par l'ensemble de la population, soit 96% de tous les résidents, devant le luxembourgeois, 78%, l'allemand, 75%, et l'anglais, 61%. Par ailleurs, le français est la première langue parlée au travail. Enfin, il est plus largement maîtrisé dans la population autochtone du fait de la démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire, dans lequel il est langue d'enseignement de la filière classique la plus valorisée au Grand-Duché. Ce qui gagne en expansion, le français le perd en prestige. Langue du Luxembourg la plus apprise depuis 70, sorte de koiné intercommunautaire du pays. Donc koiné, c'est
cette langue de diffusion, de très grande diffusion, langue populaire. Par essence, c'est un terme issu des études de grec. Le français souffre auprès des Luxembourgeois de son appropriation par les immigrés actifs dans les secteurs requérant le moins de qualifications. Par ailleurs, il est associé aux travailleurs frontaliers perçus comme des monolingues arrogants qui ne font pas l'effort de s'approprier des notions minimales de luxembourgeois. Citation issue du Conseil de l'Europe de 2005. Donc, ouais, on a. Décidément, partout, les Français et les francophones, on a une très mauvaise réputation. Monolingue arrogant. Je trouve que c'est une bonne insulte, ça, à sortir lors de vos prochains repas de famille. Hein. Mais toi, tu. Voilà, au grand-oncle, mais toi, de toute façon, tu n'es qu'un monolingue arrogant. Ça pourrait avoir son effet entre la poire et le fromage. L'élargissement de sa diffusion au sein de la majeure partie des résidences étrangères a suscité une réaction populaire, traduite par la loi du 23 octobre 2008 et l'adoption d'un code de nationalité rendant l'apprentissage du seul luxembourgeois obligatoire pour obtenir la naturalisation. Auparavant, la maîtrise du français ou de l'allemand était suffisante. Ces deux langues sont d'ailleurs sur le point de perdre le statut d'officialité. En effet, le texte d'une réforme constitutionnelle adoptée le 21 mars 2018 à l'unanimité des députés prévoit que seul le luxembourgeois sera la langue du Luxembourg. Ça, c'est de la même façon que l'on a en France, dans notre constitution, le français est la langue de la République. Cette précision linguistique, elle est rare dans les constitutions mondiales. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que généralement, quand un pays acte ça dans sa constitution, c'est qu'il y a vraiment un besoin, soit de se défendre face à une menace linguistique liée par exemple à des faits d'immigration ici très importants, soit à des fins d'unification du pays. Hein, comme on a en France, à l'époque après la Révolution française, la France était vraiment un pays multilingue. Hein, il y avait énormément de langues différentes sur le territoire. Il y en a encore beaucoup maintenant, mais évidemment bien moins qu'il y a quelques siècles. Et donc, d'acter que le français est langue de la République, ça terrasse, hein, ce type d'éclatement linguistique du territoire. Et ça, c'est intéressant, puisque c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement lorsque, ça s'est vu encore tout récemment, lorsque des populations. Pour la France, par exemple, en Bretagne, en Alsace, en Pays Basque, en Occitanie, etc., veulent faire entrer leur langue au collège, par exemple, dans l'enseignement secondaire, ou à l'université, ou que sais-je. Il y a de suite une levée de bouclier qui, vraiment, de la gauche à la droite, hein, quasiment tous les partis, en disant non, le français est la langue de la République, comme si le fait de faire le collège en breton allait. Faire exploser voilà l'unité du territoire. Donc il y a un enjeu qui est très fort. Et c'est un enjeu que l'on connaît très bien en Espagne notamment, avec le pays avec la Catalogne par exemple, et l'emploi du catalan, voilà, qui défraie à chaque fois les chroniques et qui est tantôt reconnu, tantôt non reconnu. Enfin, je vais passer un peu plus rapidement sur le témoignage. Donc, comme l'auteur de l'article l'a dit au début, donc il a pris, donc après cette introduction que j'avais voulu lire en entier parce que je trouvais ça intéressant. Donc Nicolas Lefrançois va voir un certain nombre de personnes, de personnes habitant le Luxembourg pour les interroger sur leur pratique de la langue. Dans ce que l'on appelle des entretiens semi-directifs ou interactifs. C'est un terme alors qui est bien connu en sociologie, hein, mais en sociolinguistique, c'est Jacques Prest qui l'a notamment, notamment établi. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de conduire des entretiens en sociolinguistique ou en sociologie. C'est-à-dire ou bien vous laissez la personne parler sans intervention. Vous mettez un micro, vous dites voilà, parlez de votre vie, parlez de votre métier, parlez de ci, parlez de ça. Et donc, il parle. Et vous enregistrez, vous n'intervenez pas. Ou bien vous avez des entretiens directifs, semi-directifs ou interactifs, c'est-à-dire vous avez un questionnaire
Alors, en fonction de ce que vous voulez montrer, tantôt la personne connaît déjà les questions par avance, tantôt non. Donc ici, les questions ont été établies par avance et n'ont pas été données au témoin. Et puis, on conduit l'entretien comme ça, alors en adaptant, hein, en fonction des questions qu'on veut poser, si la personne y répond plus tôt. Si elle répond plus tard, etc. Bon, on adapte le questionnaire selon. Et puis, on fait de la transcription. Et ça, c'est extraordinairement long. C'est-à-dire que ce type de transcription, ça, moi, ça fait pas partie de mon domaine de recherche, mais vous n'avez, c'est extraordinairement long. C'est-à-dire que vous avez le casque, les écouteurs. Vous entendez la bande et vous êtes sur votre clavier et vous tapez scrupuleusement ce qui a été dit. Alors, quand on s'intéresse qu'au contenu des paroles, ça va encore, mais quand vous travaillez en phonologie ou en phonétique et que vous voulez vraiment avoir les pauses, les hésitations, les chevauchements entre des locuteurs, etc., ça donne vraiment des partitions de transcription qui sont incroyablement longues à faire. Alors aujourd'hui, il y a quelques logiciels qui permettent d'accélérer un peu le processus, mais généralement, ça se fait à la main. Et beaucoup de chercheurs ont avec eux, alors ça c'est un outil que j'ai pas avec moi, mais que j'aimerais bien avoir un jour, vous savez, comme les pédales de machine à écrire, pour faire lecture-pause avec l'enregistreur pendant qu'on tape, ce qui nous permet en fait voilà, de travailler comme ça. Donc, type d'entretien, hein. Donc on va lire, je vais vous lire celui-ci pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Hein. Donc I, c'est l'enquêteur, et FR, c'est le prénom de cette locutrice, donc luxembourgeoise native de 42 ans, mariée à un luxembourgeois natif. Hein. Donc, question, tu es natif du nord, du sud, du centre, du centre. Du centre, donc il y a quand même une bonne partie du français dans le centre du Luxembourg. Oui, mais quand moi j'ai grandi, il n'y avait pas encore tant de français dans les magasins que maintenant, hein, et il y avait encore beaucoup plus de vendeuses qui parlaient le luxembourgeois, le luxe, luxembourgeois, là je ne sais pas comment le prononcer avec le L et l'ID, luxembourgeois. On va peut-être faire une géminée, mouiller un peu. Donc j'ai grandi dans un environnement, donc entretien directif, hein, l'enquêteur intervient pour faciliter la conversation. Un environnement où on parlait beaucoup plus luxembourgeois que maintenant. Alors tu as le sentiment qu'il y a de plus en plus de francophones dans le pays? Oui. Ah oui, tout à fait, parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'entrais dans un magasin. Aujourd'hui, je sais, toutes les vendeurs vont parler français. À l'époque, c'était pas encore si prononcé. Question de l'enquêteur. Tu trouves que le français a pour les luxembourgeois ou au Luxembourg une réputation de langue valorisante? À l'époque, oui. Maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, comme ce n'était pas la langue parlée de tous les jours, mais c'était si on voulait faire quelque chose d'officiel, on l'écrivait en français. Donc c'était toujours une langue comme moi, je l'ai vécu dans ma famille. Ce n'était pas la langue de tous les jours, pas la langue parlée, pas la langue du cœur, mais la langue si on voulait exprimer quelque chose très, très correctement ou officiellement, alors on utilisait le français. Et c'était pas l'allemand. L'allemand, je me rappelle que pour mes grands-parents, s'ils écrivaient une lettre, c'était en allemand. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale, ça a changé parce que les nazis voulaient imposer l'allemand. Donc c'était où on a beaucoup. J'ai un grand-père qui était enrôlé de force. Ou d'autres qui étaient en camp de concentration. Donc c'était l'allemand. Ça ne se voyait plus bien que parler l'allemand parce que ça leur donnait des souvenirs. Mais pour les luxembourgeois, l'allemand, c'est plus naturel parce que c'est beaucoup plus proche, bien sûr. Donc ce type d'enquête, d'entretien, voilà, c'est le nerf de la guerre de la sociolinguistique. C'est, on va voir les gens et on leur demande leur relation avec la langue. Alors, ce qu'il faut faire quand on fait ce type de choses, j'en ai fait un peu lors de mes études, c'est qu'il faut surveiller quand on est scientifique à pas utiliser des mots de spécialité parce que ça braque de suite les gens. Hein, si vous dites ah c'était une langue vernaculaire, là, tout de suite la personne elle se crispe, elle fait les grands yeux et puis elle vous dit plus rien. Donc faut trouver un terrain d'entente, faut essayer de se détacher de la position de l'enquêteur, c'est pas toujours évident. Je me suis beaucoup entraîné avec ma mère et puis je voyais quand elle faisait les grands yeux, c'est non, faut pas que je dise ce mot. Mais voilà. donc reprenons.
Je regarde un peu où est-ce que je voulais. Ouais. Je vais lire cette partie-là et ensuite je sauterai à la conclusion, je pense. Pour Henri Boyer, l'analyse des diglossies requiert une perspective historique et une prise en considération non seulement des usages des langues en présence dans une société, mais également des représentations, des attitudes susceptibles de peser sur la dynamique de ces usages. Dans le cadre de situations conflictuelles, des rapports de dominance entre les langues en présence, hein, les pluriglossies sont donc avant tout diachroniquement instables et dynamiques. Là, c'est ce qu'on voyait dans le. Dans l'entretien avec la locutrice par rapport à l'allemand, par exemple. L'allemand était une langue avant la Deuxième Guerre mondiale qui pouvait être considérée comme langue d'élite, c'était la langue du romantisme, de Goethe, etc. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu la langue du belligérant, et donc, ben, on ne pouvait plus l'utiliser en tant que tel. À son avènement en 1839, la situation sociolinguistique du pays s'apparente au modèle de Fischmann de diglossie avec bilinguisme. Cette structure décrit un environnement dans lequel deux variétés coexistent sur un même territoire, français et allemand, et sont pratiquées par une part substantielle de la population locale. Certes, en 1839, seule la grande bourgeoisie maîtrise le français, mais étant l'une des deux langues législatives de l'époque, il est censé être accessible au plus grand nombre. L'émergence d'une revendication de la variété germanique locale, l'allemand luxembourgeois bientôt émancipé de son patronyme allemand à partir de 1920, fait glisser la diglossie vers une pluriglossie enchâssée, à l'intérieur de laquelle s'imbrique le modèle de Fischmann précité entre le français et l'allemand, et celui de Fergusson. Ce dernier conçoit un système diglossique dans lequel cohabitent deux variétés d'une même langue, chacune possédant une spécialisation de fonction. Une variété littéraire, protocolaire et cérémoniale, dite haute, et une variété populaire et vernaculaire, dite basse. La pluriglossie enchâssée du Luxembourg fait donc apparaître, au cours de la première moitié du XXe siècle, une architecture pyramidale, agençant le français en son sommet, variété haute de prestige, en son centre l'allemand, variété haute de diptyque germanique, et à sa base, sa variante basse locale et vernaculaire, le luxembourgeois. Cette configuration est courante dans la sphère linguistique allemande, où la variété standard haut allemand, hors Deutsch, se confond généralement à une variété dialectale régionale. Le sociolinguiste Fernand Fehlen rapproche la diglossie allemand-luxembourgeoise de celle observée en Suisse alémanique, et que le linguiste suisse Jacob Wüst nomme diglossie médiale, pour décrire la relation entre l'allemand standard hors Deutsch et les dialectes alémaniques. Suivant cette configuration, les variétés en coexistence n'entretiennent pas de relation de concurrence de prestige, mais assument les fonctions de code écrit et de code oral au sein d'une diglossie neutre, dans laquelle chaque langue possède des domaines qui lui sont propres. Fehlen note cependant que le contexte suisse se démarque du luxembourgeois, en cela qu'au Luxembourg, l'allemand standard est d'une part vécu comme une langue étrangère, qu'il y assure d'autre part des fonctions spécifiques, langue de télévision, des médias, des journaux, alors qu'en Suisse, l'allemand standard n'est pas ressenti comme variété exogène ni fonctionnellement marquée. Cette distribution diglossique des deux langues persiste encore actuellement, comme le démontre le témoin C, hein, natif de 50 ans, marié à un luxembourgeois dans sa relation avec l'allemand. Et là, je trouve ça intéressant. Je lis des bouquins allemands, je regarde la télé allemande, je tout ça, on comprend l'allemand comme si ce serait notre, on comprend tout, et ça va jamais être le même cas pour le français, ça va jamais être pareil. L'allemand, c'est trop proche du luxembourgeois, on comprend, et donc si on le parle, du coup, si on parle allemand, on parle une mixture luxembourgeois-allemand. Tu vois, et c'est trop moche après, c'est super moche. C'est important pour toi l'esthétique de la langue? Oui, mais les Allemands, ils sont là comme ça, ils rigolent, mais bon, c'est gênant. Et ça c'est fascinant, cette question d'esthétique, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont intégré, mais ça varie énormément selon les cultures. C'est l'idée qu'il y a des langues belles et il y a des langues moins belles, il y a des langues moches. Or, évidemment, de fait, ces notions de langue belle ou moche, ce n'est pas des curseurs objectivables. Hein, c'est des choses qui se définissent
selon certaines relations historiques, culturelles, entre différentes, voilà, entre différentes cultures, entre différentes civilisations. Mais on a très bien intégré ça, nous, en termes de locuteurs et de locutrices. Les gens considèrent le français en France comme étant une langue belle, esthétiquement chargée, etc. Ce qui a des conséquences sur la façon dont on va l'enseigner, dont on va la présenter, par rapport à d'autres langues qui vont être considérées comme moins belles, plus difficiles d'accès, moins esthétiquement valorisantes. Et ça va avoir des conséquences aussi sur la façon dont les populations se positionnent par rapport à ça. Ça a beaucoup été étudié en France, notamment par rapport à l'arabe et au dialecte arabe que l'on peut avoir en France avec des migrants de deuxième, troisième, quatrième génération qui parlent français dans la vie de tous les jours, mais qui ont encore soit des parents, des membres de la famille qui ne parlent qu'arabe ou qui parlent arabe, et qui ont encore de la famille au Maghreb et qui parlent l'arabe. Et il y a ce sentiment de gêne pour un certain nombre d'entre eux de reparler arabe, comme si c'était une langue dévalorisante, une langue voilà, moins noble que le français. C'est quelque chose que Riyad Sattouf, si vous connaissez, dit à un moment donné dans sa série L'Arabe du futur, où il revient sur son enfance, et notamment la figure de son père, qui a voilà, une très grande importance dans l'ouvrage. Et son père dit ça à un moment donné. Il dit que... Alors c'est très marrant parce que du coup le père valorise le français comme langue de culture, de science, etc. par rapport à l'arabe, qu'il associe du moins au début du roman plutôt à une langue très populaire, issue du monde paysan, du monde religieux. Alors que Riyad Sattouf, quand il est petit, qu'il apprend l'arabe à l'époque en Syrie, au contraire, va trouver que c'est une langue qui est très belle, parce qu'il n'a pas encore intégré ces représentations diglossiques-là. Et donc, il va apprendre, voilà, à lire l'arabe, et il va y trouver une poésie qu'il ne va pas retrouver en français par ailleurs. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça peut justifier par la suite des dynamiques d'usage dans certaines populations qui vont se mettre à utiliser certaines langues au détriment de d'autres. C'est ce qui s'est passé en France, plus largement tout au long du 19e siècle, où on a valorisé la langue française normée par rapport aux langues régionales, aux langues dites de France, où il y a eu une rupture générationnelle à un moment donné, où certains élèves, certaines personnes qui sont allées faire des études jusqu'au baccalauréat ou après, ou du moins qui étaient scolarisées en français, ne parlaient plus après breton, basque, normand, poitevin, saintongeais, etc., dans leur famille, ou bien alors avec beaucoup de honte et de retrait. Et c'est comme ça que meurent les langues, en réalité. Il y a beaucoup de... Il y a différentes façons dont une langue peut disparaître. Elle peut disparaître naturellement par l'évolution diachronique, par l'évolution du temps. C'est ce qui s'est passé lors du passage du latin aux différentes langues romanes. Elle peut disparaître parce que tous les locuteurs et locutrices de cette langue meurent. Ça arrive. Il y a énormément de langues encore maintenant qui disparaissent, car tous ces locuteurs et locutrices meurent avec elle. Et vous avez un certain nombre de langues qui disparaissent, tout simplement parce que les gens sont encore vivants, certes, mais ils ne veulent plus la parler. Parce qu'ils en ont honte, parce qu'ils l'ont vraiment en horreur. Ça a été très bien observé lors de la chute du bloc de l'URSS à l'époque, par des grands spécialistes des langues slaves. Qui du coup avec la chute en fait de l'URSS ont pu enfin faire des enregistrements, pensait-il, de langues slaves qui avaient été plus du tout enregistrées au long du XXe siècle à cause du rideau de fer, on ne pouvait pas traverser facilement en Russie. Sauf qu'une fois arrivés sur place, les gens refusaient de parler leur langue. Leur langue biélorusse, leur langue hongroise, leur langue, etc. Parce qu'ils avaient tellement été humiliés dans cette pratique de langue par rapport aux Russes, qui refusaient, même devant un étranger, de la pratiquer. Et donc, il y a des langues dont on a
que très peu d'occurrences, très peu d'enregistrements, parce que les personnes ne veulent plus les parler. Donc voilà, ça fait partie des phénomènes auxquels on est confronté en sociolinguistique. Et ça peut poser vraiment des problèmes. Je vais passer ces différentes analyses qui sont très intéressantes par ailleurs pour aller vers deux éléments. Alors un élément qui m'a semblé intéressant, je vous renverrai à l'article si vous êtes intéressé pour le lire en détail. L'article est très accessible par rapport à d'autres que j'ai pu lire sur cette chaîne et que vous trouvez sur YouTube qui sont un peu plus... Voilà, un peu plus dur dans l'analyse, je trouve que celui-ci est assez simple à comprendre. Je voulais juste lire cette partie sur langue et identité nationale, puisque c'est des questions dont on discute beaucoup en France, ne serait-ce. On indexe cette question de l'identité nationale à la langue, et donc je trouvais ça intéressant de voir un peu ce qui se passait du côté de nos voisins luxembourgeois. La dévaluation du français est le produit de son exclusion du champ des critères de définition de l'identité luxembourgeoise par les autochtones. Par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et la loi du 16 décembre 2008 sur l'accueil et l'intégration des étrangers au Luxembourg, la langue luxembourgeoise est devenue la seule variété linguistique du pays reconnue comme inhérente à la communauté nationale et pourvoyeuse de la nationalité luxembourgeoise. Dans le souci de se constituer en nation, le Luxembourg érige la langue luxembourgeoise en patrimoine linguistique endémique et historique qui lui permet de différencier les membres de la communauté nationale de ceux des autres communautés parce que ce patrimoine se transmet de génération en génération, mais ne s'enseigne pas, au contraire des langues françaises et allemandes qui sont apprises dans le multilinguisme local. Le français, ni l'allemand a fortiori, n'appartient plus au catalogue des traits culturels distinctifs et mutuellement partagés qui légitiment la spécificité du groupe et donc de son identité. Adopté par l'intégralité des migrants d'une part, langue nationale de deux grands pays frontaliers, la France et la Belgique d'autre part, la langue française est exclue des éléments constitutifs de l'historiographie nationale. Comme le souligne Sarah Vasco dans son étude de 2011 sur la communauté portugaise du Luxembourg, la grande fierté nationale des Luxembourgeois repose sur son multilinguisme, mais un multilinguisme dans lequel la langue luxembourgeoise détient une position dominante. Bon, situation assez différente de la Suisse, par exemple. Plus encore, le multilinguisme national n'a de valorisation que s'il implique le luxembourgeois dans le répertoire verbal des locuteurs. La présence du seul français ou du seul allemand, encore entendu comme variété institutionnelle du pays, dans le plurilinguisme des étrangers, ne bénéficie pas d'une appréciation équivalente. Il est certain que l'on peut vivre au Luxembourg sans maîtriser un mot de la langue nationale. Cependant, semble s'amoindrir les opportunités d'une trajectoire socio-professionnelle ascendante et d'une insertion dans le noyau dur de la société luxembourgeoise. Dans ce nouveau paradigme de pluriglossie nationale, le français, variété apprise, est perçu comme une langue étrangère que les natifs peuvent connaître, mais ne doivent pas obligatoirement maîtriser avec aisance. S'il est encore le support des communications institutionnelles, il n'est pas le véhicule de communication de la communauté nationale. Les natifs peuvent donc affecter un manque de compétences en sa pratique, parce que c'est une langue finalement étrangère dont la possession approximative n'est plus préjudiciable. Les propos du témoin S, luxembourgeoise native, enseignante au niveau primaire, sont explicites quant au confinement du français. On pourrait penser, donc l'enquêteur, que les luxembourgeois ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de leur pratique du français ou de l'allemand, mais c'est aussi une question d'identité, dit l'enquêté. Tu vois, quand je parle français, ça ne me vient pas tout seul. Moi, j'ai été marié avec un Français et j'ai fait des études en France, mais ça reste, je trouve pas le mot. Je dirais étranger, mais étranger, c'est exagéré. C'est pas aussi fort que ça, mais ça reste un petit peu étranger. L'allemand aussi, le luxembourgeois, pas du tout. Le luxembourgeois, c'est ma langue de naissance, ma langue maternelle. Tu es très souvent confronté au français depuis que tu es né, en fait. Oui, dans le temps, c'était moins. Dans le temps, on avait encore des petites épiceries et tout ça, c'était encore luxembourgeois. Moi, je suis déjà la génération,
Tu vois, c'était pas comme ça à l'époque. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on a eu un élève portugais dans ma classe. C'est la première fois que j'ai eu un contact et ça m'a fasciné. Je me souviens, ça m'a fasciné. Waouh, il parle portugais. Et on a été inondés par la télé allemande et les livres. Dès le début, tout a été en allemand parce qu'il n'y avait pas encore des livres en luxembourgeois ou très très peu. Et le français, ça s'est venu un peu plus tard. Donc, conclusion. Je regarde l'heure, très bien. Christian Lagarde cite le linguiste catalan Lluís Vicent Aracil dans une prophétie concernant les environnements plurilingues. Citation. Dans une société donnée, le bilinguisme n'est guère qu'une phase transitoire d'un monolinguisme à l'autre. Il en résulte la hantise de la substitution linguistique, considérée comme un processus inéluctable qui impliquerait l'individu, constamment mis en demeure de choisir son camp, sommé de réintégrer les rangs de sa tribu, ou de se situer dans l'autre. Fin de citation. Au Luxembourg, la revendication du trilinguisme national est en train de s'effacer au profit de la valorisation du monolinguisme luxembourgophone, caractère irréductible de l'appartenance à la communauté nationale. Cette évolution procède d'une crainte de la dilution, voire de la disparition de la langue luxembourgeoise, dans une société composée d'étrangers pour près de 50% de la population. Cette préoccupation a donné lieu à des réactions sociales, relayé politiquement par une modification du code de nationalité exigeant la compétence du seul luxembourgeois comme critère linguistique d'intégration en 2008. Un refus des étrangers de participer aux élections nationales lors d'un référendum organisé en 2015. Une pétition publique déposée en 2016 auprès de la Chambre des députés demandant que le luxembourgeois devienne la première langue nationale du pays avant l'allemand et le français. L'ultime variation diastratique du français dans l'environnement sociolinguistique luxembourgeois est dès lors son exclusion du patrimoine linguistique du pays. Variété présente dans le paysage national, le français risque de perdre sa légitimité officielle, puis, à terme, sa fonction intégrative. Le sociolecte français a évolué en fonction de sa position au sein de l'environnement luxembourgeois. De sociolecte interne assurant une distinction classe supérieure, classe populaire, il a été extrait du champ linguistique de la nation pour servir de séparateur national, étranger. Ces variations n'ont pas tant reflété une démocratisation de son apprentissage qu'un désinvestissement complet des luxembourgeois devant son adoption par les migrants. Le français n'est donc progressivement plus une langue du Luxembourg, mais une langue parlée au Luxembourg. Il subit en outre, à l'instar de l'allemand hors Deutsch, la concurrence de l'anglais, langue véhiculaire des fonctionnaires des institutions européennes, au Luxembourg, ainsi que des employés du secteur bancaire et financier. L'expansion de cette langue, dispensatrice au Luxembourg d'une image gratifiante du locuteur hautement qualifié, bénéficie de la double dynamique décrite par Mario D'Angelo dans sa description du phénomène de glocalisation, une réduction des coûts du pluralisme linguistique par la réduction à une seule langue de travail pour toutes les organisations internationales et scientifiques, une surabondance de production culturelle en anglais, de par l'étendue du marché potentiel. Une nouvelle forme de diglossie émerge donc au Luxembourg, qui s'appuie d'une part sur le luxembourgeois en tant que marqueur de l'appartenance à la communauté nationale, d'autre part sur l'anglais, vecteur d'ascension professionnelle. Et voilà pour cet article dont je redonne les références. Les variations diastratiques du français au Grand-Duché du Luxembourg, c'est un article de Nicolas Lefrançois, qui est donc paru dans le cadre des actes du 6e Congrès mondial de linguistique française, CMLF 2020, disponible en ligne à l'adresse qui est donc dans le tweet d'annonce de ce stream et que vous retrouverez dans la vidéo de description une fois qu'elle sera uploadée sur YouTube. Et voilà pour cet article. J'aime énormément ce type d'articles, de parcours linguistique, sociolinguistique d'un pays, et de voir un peu comment les procédures d'immigration, d'histoire de ce type de pays a permis de dessiner le paysage linguistique que l'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment fascinant. Et c'est intéressant de voir, j'aime bien cette idée un peu prophétique, du bilinguisme comme passage entre deux monolinguismes. Comme si finalement,
La société humaine ne pouvait pas subsister, quelle que soit sa configuration, avec plusieurs langues simultanément. Du moins à égal niveau de, d'emploi, d'usage. Il faut toujours qu'il y ait une nuance entre les deux, une différence dialectale, diglossique, pour que l'une se maintienne au profit de l'autre. Je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les situations de bilinguisme absolu n'ont pas été franchement observées dans l'histoire humaine enregistrée, beaucoup plus qu'un siècle, un siècle et demi, tout au plus. Tôt ou tard, il y a toujours une langue qui prend le dessus. Malgré toutes les volontés institutionnelles, législatives, des populations, etc., tôt ou tard, il se passe des événements qui empêchent, du coup, ces langues d'exister en tant que telles. Donc voilà pour cette reprise. J'espère que ça vous a intéressé. Je m'absente 30 secondes et je lance ensuite la deuxième moitié du stream de ce soir sur Escape from Monkey Island. Gamotte, le petit chat qui est derrière, qui ne manque jamais un de mes streams. Ah, mon fichu. Oui. Il faudra que je lise un jour le l'article de ma collègue sur le parler chat de Twitter. Elle a publié un article sur ce sujet-là récemment. Alors. Hop. Je vais couper la musique sur le petit plugin qui est ici. Tac. Et je vais lancer, alors, pour la première fois, Escape from Monkey Island. Jeu sorti en 2000 sur PC, porté depuis sur PlayStation 2, il me semble, et développé par LucasArts. Et qui est, comme son nom l'indique, le quatrième épisode de la saga Monkey Island. En revanche, il va y avoir un problème de résolution sur l'écran, vu que c'est un jeu un peu ancien. Alors... Hop, on va reprendre ça. J'espère que je vais pouvoir réussir à le régler. Mise à jour. Je vais le remettre en français pour ce stream. Après, c'est vrai que... Hop. Je pourrais toujours rechanger la langue, puisque c'est un jeu que j'ai fait en français à l'époque, mais que je n'ai pas fait en anglais encore. Lors de sa sortie à l'époque, j'étais au collège, je l'avais acheté sur mon ordinateur. Et c'est vrai qu'au collège, voilà, sur le disque, il n'y avait que la version française. Il n'y avait pas de version multilingue, alors que ça n'aurait vraisemblablement pas... fait beaucoup plus de problèmes sur le
sur le CD. Alors, exécuter avec une résolution d'écran, sécurité, détail. Je vais essayer de le lancer en mode. Hop. En mode fenêtré. Pour voir si. Je change quelque chose. Alors, option avancée. Très bien. Je me rappelle de ce. de cet écran, c'est extraordinaire. Performance. Aucun joystick n'est installé. Des matages. OpenGL ou DirectX. On va mettre en DirectX. Général. Ok. Apparemment, il n'y a pas d'option. Apparemment, il n'y a pas d'option pour jouer en mode fenêtré. Non. Ça va être pareil. Est-ce que j'ai de quoi ici? Mode texte. Okay. Définition du texte. Type de mouvement. Luminosité. Toujours un problème avec. Parce que sur mon écran, ça s'affiche effectivement en plein cadre, mais pas en. Hop. Mais pas sur l'écran de stream. Et en fonction des jeux, j'arrive plus ou moins facilement à le faire. Propriété, compatibilité. Non, toujours pas. Alors. Et en plus, ça me bloque la souris, du coup, sur l'écran, je ne peux plus accéder. Bon. Alors, hop, je vais faire un petit tour sur Internet, voir comment je peux résoudre ce problème. Tout simplement avec W10 pourtant. Essayons ça. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'astuce pour lancer systématiquement un jeu en mode fenêtré. Start.bat. C'est ça. Hop, monkey4.exe. Hop.
Ouais, on voit un peu ce que ça dit maintenant. Ah, parfait. Au moins, j'ai accès maintenant à une fenêtre. Ce qui est déjà bien. Alors, est-ce que je peux changer la résolution? Option Super Whiz, qui a été des cinématiques, effets visuels, c'était des séquences, luminosité. Retour au niveau principal. Il y a bizarrement peu d'options de configuration. Et j'avais pas trouvé d'option de. Option avancée, ça me permet juste de lire l'accord de licence, ce qui me semble un peu étrange. Non, il n'y a rien ici. Ok, alors. On va faire autrement. Je vais tester quelque chose. Ouais, ça n'a pas marché ainsi. Ah, c'est vraiment dommage. Toujours difficile de lancer ces vieux jeux. Est-ce qu'un VM me permet. Apparemment, Scum VM permet aussi de lancer le jeu. Donc, je vais tester. Décidément. Toujours une. J'aurais dû tester auparavant. La façon dont le jeu allait se comporter avec avec le stream, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Hop. Donc là, je suis en train de télécharger une application qui s'appelle Scum VM, qui est spécialement dédiée à ce type de jeu, sans savoir exactement si ça résoudra les problèmes. Ce que ça dit ici. Hop. Hop. Exécuter scam. Oui, on va voir si ce lanceur me permet
Alors, on va ajouter un jeu. Hop. Monkey 4, système Windows, graphisme V5, touche audio, chemin, ok. Voyons voir ce que ça dit. Ah, le jeu n'est pas supporté parce que. Ah mince! Décidément. Merci pour le. Merci de me suivre, même si du coup. Il se passe pas grand-chose vu que j'essaye de résoudre des problèmes techniques. On va faire autrement du coup. Alors, je vais faire une petite astuce. On va ajouter une source, hop, qui va être EMI, ajouter une source. Hop, parfait. Et à partir de là, je vais pouvoir la mettre en plein écran ici. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Très bien. Comme ça, vous bénéficierez du jeu en entier. Désolé d'avoir mis autant de temps, mais comme ça, vous allez pouvoir profiter de Escape from Monkey Island. J'augmente un peu le son. Donc je vous laisse l'introduction et quand je dois diriger le personnage, je reprendrai la parole. Hop, on va remonter encore un peu ici. À la nostalgie en écoutant cette musique. Ça fait plusieurs années, plus de 10 ans que je n'ai pas commencé, que je n'ai pas lancé le jeu. Ah bah. Tout ça pour que tu plantes maintenant? Franchement? Bah. Journal de bord de Guybrush Threepwood. Parfois, quand tout est calme, j'entends encore les singes. J'ai du mal à croire que quelques années seulement se sont écoulées depuis mon naufrage sur une plage de l'île de Mêlée, avec pour seules armes un nom imprononçable et un désir impérieux de devenir un pirate dans la grande tradition. Je veux être un pirate. Qui aurait cru qu'une si noble quête m'amènerait à croiser le fer avec le pirate fantôme le Chuck, la vermine la plus écœurante à avoir jamais écumé les cinq océans. Et qui aurait pensé que mes combats avec le Chuck me feraient connaître l'amour de ma vie? Hélène Marley, gouverneur de l'île de Mêlée. Ou que mes efforts pour gagner la main d'Hélène me ramèneraient sans cesse sur les rivages gorgés de mystères de l'île aux singes. Eh, vous avez déjà vu une tête de singe aussi grosse? Ou que je réussirais à faire taire définitivement le Chuck en l'enterrant sous une montagne de glace? Pas moi, en tout cas. À cette époque, mon humour était encore moins tranchant que mon sabre. Mais tout a changé.
Je suis marié à la plus belle des femmes de pouvoir de toutes les Caraïbes. L'archipel des trois îles tremble en entendant mon nom. Et maintenant, mon lapin de contrebande et moi retournons sur l'île de Mêlée après la plus incroyable lune de miel dans l'histoire de... Guybrush ! Oui, chérie ? Cesse de rêvasser et rends-toi utile. Et donc, voilà. Monkey Island, on va mettre des sous-titres pour que vous puissiez lire. Et non pas toujours entendre. Donc, c'est un jeu d'aventure. Ah, me dis pas que qu'il plante lorsque j'essaie de sauvegarder maintenant. Oh mon dieu. Décidément, voilà. C'est donc un jeu de 2000 développé par LucasArts. C'est, comme vous l'avez compris, le quatrième épisode de la série des Monkey Island, qui est une série de jeux d'aventure qui a commencé dans les années 80 et qui a une histoire tumultueuse de développement. C'est-à-dire qu'à l'origine, donc, on doit... On doit à Ron Gilbert, donc, qui est un développeur de jeux vidéo, la création de cet univers, donc, qui s'inspire de la piraterie, comme vous l'avez compris, plus précisément, même c'est plus ou moins une des premières adaptations de l'attraction de Disney World, Pirates des Caraïbes, Pirates of the Caribbean, qui depuis est devenue une licence de film, voilà, bien connue par ailleurs. Lorsque Ron Gilbert fait cet épisode, il prévoit de faire cette saga, il prévoit effectivement plus ou moins de faire une histoire en trois parties. Donc il fait les deux premiers épisodes, donc The Secret of Monkey Island et Monkey Island Le Chuck's Revenge. Mais suite à des désaccords avec la compagnie LucasArts, quitte le navire, c'est le cas de le dire, pour aller fonder sa propre compagnie, mais il s'en va sans dire exactement comment il voulait conclure son histoire. Et toute l'histoire de Monkey Island tourne autour de cette île particulière, l'île aux singes, qui est apparemment détentrice d'un secret que tout le monde veut trouver, mais personne ne sait exactement ce qu'est le secret de l'île aux singes. LucasArts va mettre presque 5 ans, je crois, avant de faire Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, donc sans Ron Gilbert, sans le créateur du jeu, pour faire une suite qui a assez bien marché, qui est pas mal. Et quelques années plus tard, ils arrivent avec Escape from Monkey Island, qui est donc le quatrième épisode de la saga, toujours sans Ron Gilbert, et qui se présente comme une conclusion. Puisqu'à la fin de cet épisode, on va enfin découvrir ce qu'est le vrai secret de l'île aux singes. Sauf que, entre-temps, Ron Gilbert a toujours dit que le jeu ne correspondait pas à sa vision initiale et qu'il n'était pas satisfait de la façon dont les scénaristes avaient terminé son histoire. Et donc, à la grande surprise de tous, et ça a été annoncé il y a quelques mois de ça, il va produire un troisième épisode non canon, alternatif, qui présente davantage ce que lui, il aurait voulu faire à l'époque, Return to Monkey Island, qui arrive dans un mois, le 19 septembre prochain, sur PC et sur Switch, et que je prends absolument, puisque j'ai envie de savoir ce qu'est moi aussi le vrai secret de l'univers. Donc cet épisode-là est un épisode assez particulier, qui a été assez mal reçu à l'époque de sa sortie pour différentes raisons. Alors déjà graphiquement,
C'est un jeu en 3D qui a assez mal vieilli, c'est cette 3D de l'époque, de la fin des années 90, début 2000, qui est pas texturée totalement, où il y a beaucoup de défauts, mais qui n'est pas sans charme malgré tout. Bonsoir, merci d'être là. Donc voilà, c'est un jeu qui, moi, me fait penser, toute chose égale par ailleurs, à des jeux en 3D comme les premiers Alone in the Dark, par exemple. Ses premiers jeux micro, je trouve que Monkey Island se prêtait assez mal à cette esthétique. C'est une esthétique qui avait été utilisée jadis pour Grim Fandango, qui est un autre jeu d'aventure de LucasArts qui est sorti deux ans avant Monkey Island et qui se déroule au pays des morts, donc avec des squelettes. Et le côté anguleux des modèles va bien mieux en fait pour ce style de graphisme que Monkey Island. Mais c'est pas ça en fait qui a été le plus dommageable pour la saga. C'est qu'ouvertement, je pense que le jeu est quand même le plus faible des quatre, au niveau de l'histoire, au niveau de l'humour, au niveau de tout un tas de choses. Il passe moins bien. Il est moins bien écrit, il est plus laborieux, et ça se sent. Ça ne marche pas. Et donc, je voulais voir avec vous cette notion de variation également, de voir pourquoi. Est-ce que un jeu comme Monkey Island 4 marche moins et en quoi est-ce que les éléments de variation que les développeurs ont introduits dans cet épisode-là par rapport au précédent produisent du coup comme effet sur le joueur et sur la réception d'un jeu. Donc pour contrôler Guybrush, c'est aussi un peu atypique, on ne contrôle plus les personnages à la souris mais au clavier. Et au fur et à mesure, vous voyez que je tourne autour du mât, c'est la scène de tuto de ce jeu d'aventure. La tête de Guybrush va se positionner sur des objets interactifs. Donc là, il n'y a rien devant lui. Et puis quand je m'approche du bras zéro, hop, son regard se fixe. Et donc parfois, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut alterner entre plusieurs options. Alors, il faut que je retrouve, voilà. Regardez le pirate, regardez la cale de marchandises, regardez le bras zéro. Et donc, parfois, il faut explorer l'environnement pour savoir précisément ce que l'on va faire. Donc, par exemple, regardez le pirate ennemi. Il y a un pirate ennemi qui se tricote un apron là-bas. Regardez la cale de marchandises. La cale des marchandises. Le bras zéro. De charbon ardent. De base, jeu d'aventure, Guybrush observe son environnement. Escape from Monkey Island est un jeu LucasArts de la bonne époque, de la belle époque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation bloquante, aucune façon de mourir dans le jeu. Donc, ça nous encourage à tout expérimenter, contrairement à d'autres jeux d'aventure de l'époque, aux jeux d'aventure Sierra, par exemple, qui étaient réputés pour leurs difficultés. Ici, on termine le jeu avec une solution peut-être pour certaines énigmes un peu compliquées, mais sans trop de difficultés. Ce canon est prêt à tirer. Si seulement je pouvais mettre le feu aux poudres. Et puis, peut-être la réplique que j'aime le mieux de cette séquence d'intro. Leur navire est plus gros que le nôtre. C'est vraiment trop injuste. Et ça fait partie des répliques que depuis 20 ans maintenant je retiens. Comme la toute première réplique de l'introduction. J'arrive en cours de route. Pourrais-tu résumer le sujet du live ? Alors, c'est sur le thème de la variation. Donc, bonsoir. En première partie, il y a eu donc la lecture d'un article de sociolinguistique sur les variations diastratiques au duché de Luxembourg. Et donc en deuxième partie, on va raisonner sur... je vais présenter les concepts de variation dans une saga en prenant l'exemple de Monkey Island 4. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans et même si c'est celui que j'aime le moins, c'est pourtant celui, je crois, pour lequel j'ai retenu le plus... De réplique. Le coup du navire plus grand que le nôtre, par exemple, ou bien la première phrase de l'introduction, souvent quand tout est calme, j'entends encore les singes, c'est quelque chose qui reste quelque part dans ma tête. Donc, au niveau du gameplay, on s'approche des objets pour interagir avec, et ensuite on utilise des raccourcis clavier pour faire d'autres actions. Donc, regarder l'action de base. Il y a un pirate ennemi qui se tricote un apron là-bas. Qu'on peut déclencher avec la touche E pour Examine. Excusez-moi, ce serait trop vous demander de me libérer. Je vous donnerai une barre chocolatée.
La touche U pour use, utiliser. Eh bien, le jeu est... Pardon. Voilà. Le jeu est un peu... je pense qu'il bug malgré tout sur Steam. Il n'a pas été très bien émulé. La touche U pour use permet d'utiliser les objets. I ouvre l'inventaire auquel on ne peut pas accéder maintenant. Non, je ne prends pas ça. P nous permet de prendre des objets. Hop, je retrouve les touches au fur et à mesure. On peut aussi observer les éléments avec L pour look. Et puis je crois que c'est tout. Donc on va hop utiliser le bras zéro. Allez, guys, watch. Ouais, le jeu a définitivement des problèmes, on dirait. Les interactions sont très bizarres par rapport à Grim Fandango. Ça marche, mais il faut un petit temps d'adaptation. Mais c'est clairement quelque chose qui est beaucoup moins facile à prendre en main que Grim Fandango ou que d'autres jeux LucasArts. Donc, avec le tas de chardons ardents... De charbon ardent sur le pont. Je suis bien content que le pont soit recouvert de lacs inifugés. Hop. On va pouvoir... en prendre un. On va pouvoir en prendre un. Les animations ne fonctionnent pas du tout, c'est affreux. Voilà. Parce que normalement, c'est instantané. Guybrush jongle. Et évidemment, l'idée, c'est d'envoyer tout ça vers le canon chargé. Ouais, il y a un problème avec les animations, c'est fou ça. Il doit y avoir peut-être une configuration spécifique sur Windows qui permet de mieux gérer ça, mais dans le cadre de notre partie, ça sera suffisant. Donc ce qui est intéressant dans la saga des Monkey Island, et ce qui a été assez bien observé, dans tous les épisodes jusqu'à présent, y compris les épisodes canoniques développés par Rod Gilbert. Hélène, tu peux me détacher. C'est que chaque épisode de Monkey Island, à part le premier, et encore, ça peut être intéressant à considérer, commence par fait état d'une ellipse, en fait, juste avant le début de son aventure. C'est-à-dire que Monkey Island 2 commence dans un moment indéterminé après le premier épisode, le 3 après un moment indéterminé après le 2, et le 4 après le 3. Et même en réalité, l'épisode 1 commence d'une façon étrange avec Guybrush Threepwood qui arrive sur l'île de Mêlée, sans qu'on ne sache exactement comment ni pourquoi. Alors cet épisode 4, dans l'espace d'une seule image, nous montre Guybrush s'échouer sur une plage de l'île de Mêlée, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas... D'accord. J'espère que je vais passer cette séquence, parce que j'ai l'impression que le jeu a du mal à charger, en fait, ce qui se passe après. C'est affreux. Je l'avais testé rapidement, et il marchait bien au niveau de l'introduction, mais... Là, ça marche absolument pas. C'est très bizarre. Allez. Charge le chapitre. Ok. On va essayer l'astuce de faire une sauvegarde. Voir si ça le débloque. Décidément, cet épisode ne veut pas se faire aimer. Mais donc, à chaque fois, il y a cette ellipse au début des épisodes
qu'a repris ce Monkey Island 4 à son compte. Mais malgré tout, allez. Décidément. C'est... Allez, maintenant tu charges le chapitre, s'il te plaît. Allez. Je regarde le Redmi à côté, voir s'il y a... s'il y a quelque chose qui me... qui peut me dire... Ah, enfin, dis donc. Non, c'est juste que le chargement est lent, bizarrement. Un des joueurs d'échecs jouait une pièce et puis ça restait bloqué comme ça. Oui, je suis désolé pour les problèmes techniques. C'est juste que la version Steam, là ici c'est la version Steam de Monkey Island, marche mal. ScumVM ne parvient pas à le faire tourner. Je pense qu'il va y avoir possibilité de jouer avec les réglages pour aller mieux, mais il faudra que j'explore ça. Mais voilà. Donc, Monkey Island reprend en fait des traditions par rapport à d'autres épisodes de la saga qui l'instaurent dans une continuité par rapport aux épisodes 1, 2, 3. Et cette continuité n'est pas seulement une continuité de personnages en réalité. Puisque on pourrait s'attendre effectivement à ce que ce qui donne le lion, notamment narratif, mais également ludique des épisodes entre eux, c'est des constantes que l'on va avoir, pardon, de personnages, d'environnement, d'univers, de concepts généraux. Mais ce qui est intéressant avec cet épisode, par rapport au précédent, et là vous en avez eu une image par rapport à la référence faite au foot de Monkey Island, que vient de dire Guybrush, c'est que cet épisode-là prend un malin plaisir en fait à avoir une écriture très différente des autres. C'est-à-dire que l'on va certes retrouver des figures tutélaires du jeu. Guybrush Threepwood, donc notre personnage principal, Hélène Marley. Oula. Timmy, t'as une sale gueule quand même. dis donc, je me rappelais pas. Tu te rappelais, toi, qu'il avait pas de visage comme ça, Timmy? Mais oui, il a toujours été comme ça, voyons. Ah bon, ok. Bref. On va revenir pour la première fois sur l'île de Melee depuis le premier épisode. Puisque dans Monkey Island 2 et Monkey Island 3, on ne revenait pas sur l'île de Melee. On va retrouver le Chuck, on va retrouver Stan, qui est un vendeur, voilà, roublard, que l'on retrouve dans un peu tous les épisodes. Ces transitions lentes me font rire à chaque fois, parce qu'on dirait que les personnages sont tout à fait ahuris, qui mettent... ça rend certaines scènes presque plus drôles, je trouve, comparé aux originales. Mais à côté de ça... l'écriture en fait est franchement différente. C'est-à-dire que avec cet épisode, Monkey Island va directement dans une direction que n'avait pas emprunté forcément ses prédécesseurs ou différemment, que j'avais appelé à l'époque et que j'appellerai encore maintenant une pierrafeuillisation, une flintstonisation de l'univers de la piraterie. Donc, c'est-à-dire que vous voyez les Flintstones. Donc les pierres à feu, hein, ce dessin animé de Dana et Barbera, qui en fait, le concept c'est on prend notre société contemporaine et on le transporte à la préhistoire en recopiant exactement toute la technologie que nous avons aujourd'hui, mais avec des instruments de la préhistoire. Donc plutôt que de conduire des voitures motorisées, les pierres à feu utilisent leurs pieds pour les faire circuler, ce qui n'a donc aucun sens. Plutôt que d'avoir de l'électricité, ils utilisent des lucioles, enfin ce type de choses. Monkey Island faisait occasionnellement des références à notre culture contemporaine, mais n'allait pas à fond là-dedans.
C'est-à-dire que très épisodiquement, dans Monkey Island 1 et 2, on va effectivement avoir une canette de grog, plutôt qui imite la forme de coca, une canette de Coca-Cola. Vous allez avoir Stan qui a la gouaille d'un vendeur de voitures, qui essaye de vous vendre des accessoires pour un bateau. Voilà, comme... comme un panneau de bord en rotin, ce type de choses. Bon. Dans Monkey Island 2, vous allez avoir des petites références à tel ou tel un piano bar avec un singe qui joue du piano jazz. Mais ça n'allait pas plus loin. Et à compter de Monkey Island 3, du fait de ce changement justement d'écriture, cette mouvance va s'accélérer très fortement jusqu'à aboutir à Monkey Island 4, à un univers où on va parler de foot, de télévision. On va faire référence au fait de marcher sur la Lune. L'histoire du jeu traite d'OPA, d'un entrepreneur australien qui veut racheter des pirates, des barres de pirates avec de l'argent, et qui a des armées d'avocats avec lui. Vous allez avoir, à un moment donné, une chaîne de bar qui s'appelle Star Boucanier, avec un logo qui est mis Starbucks, ça. Bref, tout un tas de choses comme ça qui font que on n'est plus dans un univers de piraterie fantasque, on est vraiment dans de la parodie. Guybrush, calme-toi. D'événements de pirates. Et donc, ça va du coup créer une distension dans la variation de la saga par rapport à ce que l'on avait dans les épisodes précédents. Et donc la question, c'est comment est-ce que les développeurs ont suggéré cette variation-là par rapport à un univers, à un jeu qui est franchement très différent des autres. C'est-à-dire que vous avez un jeu dont les graphismes sont franchement différents des autres, on n'est plus en pixels, au maniement très différent des autres, et il n'y a plus de contrôle à la souris, tout passe au clavier. Voilà, tout à fait, dans les Telltales, ils sont revenus, même si c'est pas tout à fait réussi pour d'autres raisons, mais voilà, ils ont amoindri cet effet-là qui allait très très mal, je trouve, à l'univers de Monkey Island. L'histoire du jeu est franchement différente. Bref, tout ce qu'ils ont gardé d'apparence, c'est des lieux, comme Monkey Island par exemple, qui reviendra à un moment donné, comme Melee Island, l'île de Melee que nous avons là, des personnages, Guybrush et Hélène notamment, mais c'est pas suffisant pour faire une continuité d'histoire. Parce que si vous voulez, ce n'est pas parce que si on s'arrêtait qu'au personnage ou à la surface des choses, Mario Golf ferait partie des Mario Bros. Quoi. Il faut plus que ça. Et donc ça va passer avec des éléments, notamment de gameplay, qui sont un peu plus sous-jacents, ou de construction d'histoire qui, eux, vont être structurants. Donc ça a été, par exemple, l'ellipse au début de l'aventure dont j'ai parlé, qui est vraiment le point de départ acté de tous les épisodes de la saga. Ça va être la découpe en chapitres ou en parties. Partie 1, partie 2, partie 3, qui est également un standard de Monkey Island depuis les origines, et que l'on a là aussi, que l'on aura dans Return to Monkey Island qui arrive dans un mois, puisqu'on a eu un trailer qui nous a permis de le faire. Et la résolution des énigmes. Puisque la résolution des énigmes dans Monkey Island passe énormément par le dialogue. Et ces dialogues se déroulent toujours de la même façon, c'est-à-dire vous avez une liste de répliques que vous pouvez sélectionner, et la dernière va quitter l'interface de dialogue. Donc pour reprendre l'histoire de Monkey Island, si vous l'avez vu rapidement, donc Guybrush et Hélène, gouverneur de l'île de Melee dans les Caraïbes, ont été aux prises pendant plusieurs épisodes avec le pirate fantôme zombie démoniaque le Chuck, qui a été un ancien prétendant d'Hélène, mais qui, pour gagner son cœur, a franchi la bouche de l'enfer et est devenu un fantôme
a essayé d'enlever Hélène plusieurs fois, et Guybrush, plus accidentellement qu'autre chose, puisque c'est plus un anti-héros ridicule qu'un véritable héros de jeu vidéo, a à trois reprises donc déjoué les plans de LeChuck. Et donc, à la fin du troisième épisode, enfin, LeChuck et Hélène se réconciliaient et se mariaient, et donc sont partis en lune de miel, et lorsqu'ils reviennent sur l'île de Mêlée, du coup, les gens ont cru que la gouverneure était morte, et donc, non seulement des élections sont mises en place pour élire la prochaine gouverneuse, gouverneur de l'île, mais en plus, ce charmant garçon rayé a été embauché pour détruire le manoir. Alors, l'histoire de Monkey Island 4 n'a strictement aucun sens. C'est ça aussi qui me fait dire que il y a autre chose que de la narration pour relier en fait ces épisodes entre eux. Et si on les associe très fortement ensemble, que ça devient du coup une tétralogie, c'est parce qu'ils ont quand même conservé des éléments de gameplay, de développement, mais pas des éléments d'histoire, puisque ce que je viens de vous raconter n'a aucun sens. Pourquoi avoir attendu 3 mois pour faire des élections et détruire le manoir? Pourquoi détruire le manoir du gouverneur? Pourquoi ne pas aller s'enquérir de ce qui est arrivé au navire du gouverneur s'il pense qu'elle est morte? Parce qu'ils ne sont pas juste partis avec Guybrush, il y a tout un équipage de gens qui, sans doute, font partie également de l'équipe d'air. Bref, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans cette histoire bizarre. Mais la résolution des énigmes, quant à elle, est toujours la même. Donc. Vous pouvez arrêter de lancer des pierres sur ma maison? C'est énervant. Ah, désolé, je ne fais que mon boulot. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter de lancer des pierres? Le doublage du jeu. Ah, il me faudra un ordre signé. Et pour ça, vous devrez engager un avocat. D'accord, et de façon temporaire. Les syndicats nous autorisent à faire des pauses déjeuner dans la journée. Mais. J'ai rien à grignoter. Donc, les dialogues dans Monkey Island, comme dans un certain nombre de jeux d'aventure de l'époque, nous donnent des indices sur ce qu'il faut faire. Il veut un ordre signé pour arrêter définitivement. Il faut lui apporter à bouffer pour qu'il arrête temporairement de lancer des pierres sur la maison. Ce qui est assez intéressant, puisque en français, il dit qu'il doit prendre des pauses dans la journée, mais le concept de l'île de Mêlée, c'est que c'est toujours la nuit sur Mêlée Island. Donc moi à l'époque j'avais pas compris ça comme un indice. J'avais compris ça plutôt comme une blague. Les chiffres. Je sais pas vraiment. Ça doit être des coordonnées de visée ou des trucs comme ça. Hein. Mais si on trace que dalle. Tout ce que je sais, c'est viser ce cactus là-bas. Après je. Donc il va y avoir quelque chose avec ce cactus que l'on voit à droite en forme de fourche. Pouvez-vous me montrer comment viser le cactus? Non, non, je le fais uniquement quand j'ai besoin de recalibrer ma catapulte. Et je voudrais pas gâcher un de ces boulets, ça coûte les yeux de la tête. Vous êtes un homme occupé, je vous laisse poursuivre votre noble besoin. Merci. Donc... Monkey Island est un jeu compliqué, mais pourtant c'est un jeu dont on se rappelle généralement avec assez de tendresse pour les fans, ne serait-ce que parce que ce quatrième épisode était franchement attendu à l'époque par les joueurs. Il y a 4 ans, je crois, 5 ans qui séparent. Ou 6 ans qui séparent Monkey Island de Monkey Island, Monkey Island 3 de Monkey Island 4. On nous promettait le secret de l'île aux singes que l'on attendait depuis longtemps. Mais tout cela. Alors, effectivement, les doubleurs que l'on a dans le jeu, je voulais justement l'aborder, sont des grands noms des doublages. Dessins animés et jeux vidéo de l'époque. On n'aura aucun mal, je pense, à les trouver sur Internet. Guybrush Threepwood
et doublé par le doubleur du Aladdin de Disney en français. Donc si la voix vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Tous les doubleurs gravitaient et gravitent encore sans doute, comédiens, comédiennes du doublage, gravitent encore dans le média. Notre première étape, on va aller voir la Maison Internationale du Vaudou, qui est du coup là aussi un élément qui va nous permettre de faire du lien par rapport à notre aventure. Alors, je ne sais pas pourquoi Guybrush s'élance droit devant lui lorsque je marche, c'est très agaçant. Alors, quel... Je crois que c'est l'index. C'était l'index qui fait venir Lady Vaudou. Vous apparaissez à chaque fois que j'ai des ennuis. Pourquoi ? Qui sait ? Peut-être sommes-nous unis par un lien invisible et magique. Peut-être nos destinées sont-elles inextricablement liées. Peut-être ai-je signé un contrat pour 5 jeux avec LucasArts. En tout cas, je suis là pour t'aider. Que puis-je faire pour toi, Guybrush Threepwood ? Donc 5 jeux. Malheureusement, il n'y aura jamais le 5e épisode de LucasArts de Monkey Island, puisque les suivants ont été faits par Telltale. Le dernier est publié par Digital Devolver, c'est Double Fine Production, et LucasArts n'existe plus de toute façon aujourd'hui, puisque la compagnie a été rachetée par Disney lorsque Disney a récupéré Lucasfilm par ailleurs. Et il est clair maintenant que LucasArts, enfin, que Disney maintenant ne veut faire plus que des jeux vidéo Star Wars et rien de plus. Hop, je vous demande un instant, je reviens. Voilà, hop là. Il y avait une autre série qui avait fait ça, une autre transition en 3D avec le même gameplay, les Chevaliers de Baphomet, tout à fait. Et également aussi avec assez d'incertitudes. À l'époque, ça avait été assez mal reçu. Après, il faut dire que le jeu d'aventure comme ça aussi traversait une traversée du désert à l'époque. Donc ce n'était pas surprenant que les critiques aient été assez... assez mitigé, mais pour moi il y a aussi quelque chose qui fait que le style 3D à l'époque n'était pas encore suffisamment bien développé pour ce type de jeu et que ça marchait mal, alors qu'en pixel ou en dessin ça marche beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux d'aventure de cet ordre là ne sont pas en 3D généralement. Donc Lady Vaudou est là encore un personnage classique de la saga Monkey Island que l'on voit dès le premier épisode, qui revient dans les épisodes 2 et 3, et qui est un genre d'adjuvante qui nous donne des conseils sur la marche à suivre. Mais surtout, elle a une caractéristique de jeu qui s'est sédimentée au fur et à mesure des épisodes, c'est qu'elle, comme elle est habitée de pouvoirs magiques, elle sait intuitivement ce que Guybrush va dire avant qu'il ne le dise effectivement. Et donc, si l'on choisit par exemple la réplique « Je ne sais pas par où commencer », les cartes m'ont dit que tu ne sais pas par où commencer, elle prendra la parole par rapport à lui. Ça, c'est un phénomène que j'avais
que j'ai analysé dans une conférence plénière que j'ai donnée donc fin juin à Poitiers sur les relations entre la linguistique et le jeu vidéo, et que j'avais donné un peu de temps auparavant également à Liège en février dernier. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube, sur ma chaîne. C'est cette idée-là où j'analysais, où je montrais que dans Monkey Island, les répliques que l'on avait en fait n'étaient pas des répliques en tant que telles, des éléments linguistiques, comme on l'entend en linguistique, mais plutôt comme des objets d'inventaire manipulables, et l'on devait trouver la bonne combinaison pour avancer dans l'aventure, et que l'on pourrait remplacer ça par une liste de chiffres, de couleurs, ou de symboles, comme le font certains jeux d'aventure, comme la série des Discord, sans changer franchement l'effet que cela donnait en jeu. Comment faire pour que cet Olibrius arrête de bombarder ma maison ? Tout projectile lancé vers le haut est soumis à la force gravitationnelle et finit par retomber. Ce qui importe, c'est où il retombe. En l'occurrence, sur ma maison. Ah. Donc le joueur qui est coincé va voir Lady Vodou et lui permet du coup de voir des indications sur la façon. La gravité est ton allié. Retourne sa catapulte contre ton ennemi. Pour finir, du coup, l'aventure. Monte à bord de ton bateau. Mais c'est que je n'en ai pas. On est sur une île, il faut que je te fasse un dessin. Ensuite, recrute un équipage. Là aussi, c'est quelque chose qui est. Même en période de récession, au niveau de l'écriture, très à part de la façon dont le personnage était encodé jusqu'à présent, même dans l'épisode 3. Lady Vodou a toujours été une adjuvante dans l'épisode, mais elle était beaucoup moins directive dans les conseils qu'elle donnait à Guybrush Threepwood. Elle parlait, elle avait des visions, elle parlait d'événements, de choses qui allaient se produire, mais sans directement donner la réponse aux énigmes. Alors qu'ici, vous voyez bien, c'est une borne indicatrice. C'est un panneau qui va nous donner directement la réponse à la suite. Bon. Cela, c'est très mal. Monkey Island 4 est un jeu compliqué. Vous n'auriez pas un chewing-gum ? C'est pour mon haleine. Désolé, j'ai laissé mon distributeur à Puerto Pollo. Si tu as vraiment faim, va au Scumba. Et donc, la façon dont les auteurs ont, dans cet épisode-là, essayé de donner du lien narratif, ça a été en faisant des références ponctuelles, plus ou moins soutenues, avec les différents épisodes, afin d'installer celui-ci dans une saga de plus long cours. Mais pour moi, c'est davantage avec ces éléments de gameplay qui permettent en réalité de fixer cet épisode-là dans la continuité des précédents. Et c'est énigmatique, pas franchement. Et c'est en fait ces éléments-là qui, plus que les autres, font que cet épisode est malgré tout intégré dans la saga des Monkey Island. Alors que la saga des Tales of Monkey Island, de Telltale, qui est donc une série d'épisodes qu'ont produit Telltale, donc qui était connue notamment pour leur épisode sur The Walking Dead, qui depuis ont fait d'autres séries, Batman, Game of Thrones, etc., avec plus ou moins de succès. Toujours avec cette saga épisodique, est considérée avec un peu plus de distance de la part des fans, je pense précisément par rapport à cet élément, à cette construction épisodique qui rompt franchement avec le caractère chapitré des épisodes précédents et la façon surtout dont certains personnages, comme Lady Vodou notamment, comme LeChuck, qui subit quand même une modification de grande ampleur, sans trop spoiler, a été abordé par les développeurs. Et donc, eux, ils ont fait plus ou moins le phénomène contraire, il me semble, c'est-à-dire qu'ils ont repris beaucoup plus sincèrement les éléments d'histoire, mais en changeant les mécaniques de jeu,
Alors que Monkey Island 4, lui, change franchement la façon dont il écrit, mais se place dans une continuité ludonarrative beaucoup plus forte avec les épisodes précédents. Sans doute parce qu'un très grand nombre de développeurs des épisodes précédents travaillaient encore sur Monkey Island à LucasArts à l'époque et donc ont participé directement à l'écriture de cet épisode. Donc, quand on parle de variation dans le jeu vidéo, au sein d'une saga, on ne peut pas considérer les choses, et c'est de la même façon dont on peut les considérer en linguistique, d'une façon uniforme, uniment, et considérer qu'il existe une variation, et puis ça suffit à faire un jeu franchement différent ou identique. Il y a différentes catégories de variations, de variétés, lorsque un épisode d'une saga s'écrit, et en fonction de là où les développeurs mettent le curseur, la rupture sera plus ou moins forte. En sachant que tous les phénomènes de variation, de toute façon, se construisent en continuum et qu'il est toujours très difficile d'acter qu'un épisode, qu'un élément est franchement différent d'un autre ou qu'un élément de gameplay s'oppose frontalement à un autre. Bon. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est 22h, alors je suis désolé pour les difficultés, hélas, de technique que j'ai eu au début de la partie. Il faudrait que je corrige ça. J'avais testé rapidement le jeu avant et ça n'avait pas une... ça me semblait bien tourné, mais apparemment, ce que je vois, le jeu a plusieurs... a bien des difficultés selon les retours que l'on a sur les forums. Donc... voilà pour ce qui est de ce stream de rentrée sur Monkey Island. Donc je mettrai la vidéo, le stream de ce soir sur ma chaîne YouTube d'ici la fin de semaine, je pense. Le stream sera disponible en replay pendant une quinzaine de jours sur la chaîne Twitch, si vous souhaitez le revoir totalement ou partiellement. À présent, du coup, donc cette année, je ferai les streams davantage le mercredi soir. Je cherche depuis tout à l'heure les voix françaises, mais je n'ai pas tout le monde. Ah, c'est dommage, il faudra regarder ça. Je ne sais pas sur quel site on pourrait les trouver absolument. Il faudrait voir dans le générique de fin, peut-être, de la version française. Peut-être qu'ils ont noté les voix des comédiens et des voix. Il faudrait voir. Donc voilà, les streams seront davantage le mercredi soir, si vous voulez y assister. Généralement, c'est en début de semaine que je tweete le sujet, le thème, l'article et le jeu que je ferai. Ah, mince, c'est bête. On verra ça, alors, si je tombe dessus, je mettrai ça de côté. Et donc, voilà. Merci en tout cas aux nouvelles personnes qui sont connectées, qui m'ont suivi. Pour cette rentrée. J'espère que voilà, vous serez curieux à l'avenir d'y revenir occasionnellement, voir un peu de quoi l'on parle. Et puis, bah, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne soirée, et puis peut-être à bientôt. Ciao !